Sœur Oyazwaki, opération na libele. L'autre aussi avait les cancers. Autre de 5 jours, wana akoleka, ce qui peut azali. Celle qui avait les cancers de sein, elle peut aussi s'avancer. Amen. 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 Gloire. Hein? Maman, topé sur parole. Nous t'accordons la parole, maman. Alléluia. Amen. Ba papa, ba maman, alléluia. Amen. Tiens, micro, madame Pembeni, ce qui. Bon, ma micro. Lelo ezali mokolo ya kolela te me soki ye eye kaka. Aujourd'hui ce n'est pas un jour. Lelo ezali mokolo ya kokumi sanzambe pe ndenge asali pour na santé nangai. Aujourd'hui ce n'est pas un jour de pleurer, mais si il m'arrive à pleurer, comprenez-moi, mais je vais glorifier Dieu à cause de ce qu'il a fait dans ma santé. Na kozala vraiment molaité. Je ne serai pas vraiment très lent. Tempe to li apebile ya molimo. Parce qu'il est temps qu'on puisse manger la nourriture spirituelle. Donc problème, là, si papa expliqua qu'à dimanche le 14, je crois. Le dimanche le 14, le pasteur avait déjà expliqué mon problème. Problème, là, c'est là qui pour un cancer. Mon problème était pour les cancers. Et cancer du sein. Les cancers du sein. Et c'est là qui, période papa Bayaki na Pullman, na Paris. C'était pendant la période que papa était parti à Pullman, à Paris. Et ngai pe na kita ki na fanda ka na Limoges, na province. Moi, je reste dans une province de Limoges. Donc si ko ngape na yaki ba ni nyon so ile kaka to za la kakuna. J'étais aussi parti là-bas et je suivais tout ce qui s'est passé. Na koma ki e pa ya moi na ngai. J'étais arrivé chez mon enfant. Ma fille. Donc na fanda ki kuna pa inaye. J'étais chez ma fille. Et puis semaine wana kaka o papa avant ba matana na Pullman na la, Paris. La semaine avant que le pasteur Wallace puisse partir à Pullman à Paris. Donc, tu as là trois jours de prière. On avait d'abord trois jours de prière. Nous qui étions encore très loin, nous suivions cela. J'avais juste suivi deux jours, le troisième jour, je n'avais pas suivi. Et puis, le 22 août, donc, c'est le 22 août que je finis ma prière. Donc, Nazaraki na cuisine. J'étais dans la cuisine. Et pas à moi en Angaï. Chez ma fille. Nazo Lamba. J'ai cuisiné. Nazui tablette Nangaï. Je pris ma tablette. Non, le quoi Nasili Saki prière ya soukate na landa yango. J'ai dit, comme je n'avais pas suivi la dernière prière, dans les derniers cultes de trois jours, que je puisse le suivre maintenant. Et en ce moment-là. Nathan Owana. Na Fandaki. J'étais assise. Nabando landa prière, wana, nabando landa prière, nabando landa. Et j'ai suivi le culte. Na moment oyo. À ce temps-là. Papa tangwa lou bakana biso, bandeko nangai. Lorsque le pasteur nous parle, mes bien-aimés. Vraiment to landa yango. Suivons-le. To landa. Suivons-le. Azaki kolobake, motonyon so esika pasi ezali, simba pa esika wana, banda kolongola. Le pasteur est en train de déclarer en disant, tout celui qui a une douleur, tu dois tenir là où tu as mal et tu commences à enlever la douleur. J'étais seul dans la cuisine, j'ai fermé mes yeux. Comme je savais j'avais un problème, j'avais les gonflements ici au niveau des seins. Et j'ai enlevé cela. Je faisais ces mouvements, j'enlevais la douleur, j'enlevais la maladie comme le pasteur le disait. Et après, par après, la nuit de ce jour, je me suis endormi. Vers, je crois, 3h du matin. C'était vers 3h du matin. Dans mon sommeil, je me suis retrouvé dans la chambre où je dors avec mes petits-fils. Il y avait une forte lumière dans la chambre. Je vis deux personnes qui ont entré. L'autre était élancé. L'autre était court, le deuxième. Ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit, on t'avait proclamé pour l'opération. Quelle opération? Je dis, mais quelle opération? Et oui, bon, parce que programme na yo ezali lelo po na opération. Ils m'ont dit, nous ne sommes pas venus vainement, nous sommes venus parce que tu étais programmé aujourd'hui pour l'opération. Je fais comme si j'ai tourné un tout petit peu. Je regardais derrière la porte. Je voyais un homme qui entrait et qui sortait. La troisième fois. Et la troisième fois. On m'a habillé avec les habits de l'hôpital. Directement,
Directement, on m'a dit que je puisse me coucher. Je me suis alité. J'ai vu encore quelqu'un qui a fait sortir sa tête. Lorsque nos deux regards se sont croisés, et je vis que cet homme c'était mon père Walesa. Il n'allait plus se cacher. Par après, il est entré dans la chambre. Pour accompagner les gens qui étaient là, qui étaient venus pour m'opérer. Jésus-Christ de Nazareth. Mais la personne qui était devant, c'était Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu Jésus dans mes deux yeux. Na monié tsunami sonangai. Far à far. Face à face. Et puis. Na sima. Balubi nanga lala. Elle m'a dit tu peux t'aliter. Papa y est assis à la moto. Le pasteur Wale ça m'a tenu à la tête. Na lali, basalinga opération ti esili. Par après ils m'ont opéré. Ba opéré ngai. Ils m'ont opéré. Après un moment donné, bango ba kei na lamuki. Un moment donné, ils sont partis. Je me suis réveillé. Na mona na tikali na kati ya chambre. Je me suis retrouvé seul dans la chambre. Wana siko na lamuki penza na bomoto. Là, physiquement, je m'étais réveillé aussi. Na lobi me. Oh ma kamuninga na moni. Je me suis posé des questions. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Na lali. Après na lali. Je me suis endormi encore. Nabi, merci Seigneur. Na lobi ka merci Seigneur. Na zongi na pomi. Je dis merci Seigneur. Je me suis réendormi. Mais na tongo. Le matin. Lorsque je me suis réveillé, et je ne sais pas ce que j'ai cherché dans mon sac. Les boucles d'oreilles de mon petit-fils étaient perdues, étaient dans mon sac. Ma fille, ma petite fille. Ma petite fille, ok. Et d'un seul coup, je vis au côté, du côté des têtes d'oreiller. Je vis les sangs. Je me suis étonné en disant, mais d'où provient ce sang? J'ai posé la question à ma petite fille, mais d'où provient ce sang? Est-ce que vous avez joué hier avec vos amis ici dans la chambre ou bien comment? Mamie, non. Elle a dit non. Lorsque je regarde sur les draps, il y avait aussi le sang. Moi, une petite quantité comme ça. Une petite quantité de sang. Je tremblais en me posant des questions. D'où vient ce sang? Je me suis posé des questions. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai soulevé les draps. J'ai soulevé les draps et les têtes d'oreiller pour aller le nettoyer. Après, lorsque j'ai enlevé les draps qui étaient au-dessus, il y a ces maquillages vraiment. Comme ça. Il y avait maintenant le sang dans les deuxièmes bras. Et puis, par après, j'ai dit Seigneur. Ça, c'est l'opération que je vis pendant la nuit. C'est l'opération que j'ai connue. Merci. Et je suis guéri, Seigneur. Je suis guéri. Merci, merci. Je rendais pour grâce à Dieu. Amen. Amen. Mobali akufa ki po aninga ki mwasi akanisa ki mwasi azokufa na cancer. L'homme était décédé sachant que la femme allait mourir à partir des cancers. Soki ayebaka peut-être aninga ki atuna biso. Si l'homme savait, il allait peut-être poser la question. Comme il était un blanc, il ne connaissait pas les choses de Dieu. Il avait limité Dieu. C'est par après qu'il était mort avec ses soucis. Il avait peur. C'est pourquoi la femme a reçu la visitation divine. Elle a reçu l'opération spirituelle. Elle n'a plus de cancer. C'est pour cela qu'elle est venue uniquement pour témoigner la grandeur. Est-ce que vous pouvez mettre un comme Akasi? Pouvez-vous acclamer très fort? Alléluia. Ça va. Je suis venu rendre grâce à Dieu tel que papa vient de le dire. Enfant de Dieu, nous qui venons de loin, de 8000 km, ce n'est pas pour vous flatter, nous vivons le miracle. Papa Nanga,
Mon père. Mon père a un Dieu. C'est vous qui êtes ici, vous ne les voyez pas. Mais... Non, papa, Loba, Lesa Mubishi. Ali Bwanga Bwa Yesu. Yangoana. Je suis venu entrer au temple des rois. Poursuivre temple des rois. Oh, yo, Zamba, Salah.